Yo les potes, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien, c'est Tucci et aujourd'hui on repart pour une petite vidéo Assetto Corsa. Donc comme d'habitude, le petit tuto qui va bien avec une belle petite map qui s'appelle Battenberg Ring. On fait le tour en à peu près 5 minutes, vous avez vu le gameplay, donc franchement il y a moyen de s'amuser. Donc c'est du solo, donc avec le Traffic Tools, donc si t'as pas de Traffic Tools, je t'invite à aller voir mes autres vidéos sur le Traffic Tools. Elles devraient popper par ici en plus, donc si comme ça tu seras pas perdu. Et ça marche comme d'habitude en fait, donc la map est gratuite, le trafic est gratuit, donc tout est gratuit, c'est bénéf. Impeccable. Donc maintenant les gars, comme d'habitude, on part pour l'installation. Let's go. Bon alors maintenant les gars, on va aller s'installer la petite map, donc Battenberg Ring. Je vous aurais mis deux liens dans les descriptions. Le premier c'est celui de la map et le deuxième du trafic. Les deux nous ramènent donc sur Race Department. Donc là on est directement sur Race Department. Au cas où, pour ceux qui sont pas habitués à Race Department et compagnie ou qui n'ont pas de compte dessus, je vous invite à aller en créer un. C'est gratuit. Vous allez sur Register. Ensuite vous descendez tout en bas, mais vraiment tout en bas, hein. On s'en fout des prix qui sont à payer. Là ensuite on a Join with a Basic Count Here et vous cliquez sur Here. À partir de là ça devrait vous demander des informations et vous créez votre compte gratuitement. Donc voilà les gars, moi je me suis donc connecté à Race Department, donc maintenant vous devriez avoir fait pareil pour vous. Donc il suffit tout simplement de cliquer donc sur Download juste ici qui est à côté. Comme ça là maintenant ça nous télécharge la map et on fait pareil donc pour le lien du trafic. Voilà, hop, download, vu qu'on s'est inscrit et qu'on est connecté donc à Race Department, on va avoir le petit onglet download. Donc voilà, maintenant on a téléchargé nos deux fichiers sont donc dans notre téléchargement. On n'a plus qu'à se les mettre sur le bureau et à les mettre ça dans les fichiers du dossier d'Assetto Corsa. Alors maintenant les gars qu'on a tout téléchargé, donc la map et le trafic, il nous suffit d'ouvrir donc notre Steam. Comme d'habitude, on ouvre Steam, on va sur notre jeu Assetto Corsa, clic droit, propriété, fichier installé, parcourir,
Ça nous donne 7 pages. On peut fermer ensuite ce qu'il y a derrière. Voilà, comme ça, on est tranquille. Je me mets ça à la bien. Voilà. Donc voilà, on a ici donc nos fichiers qui sont juste ici et nos fichiers du jeu d'Assetto Corsa qui sont juste ici. Donc on prend, on ouvre donc notre fichier de la map. Donc voilà, Battenberg Ring, juste ici, donc dans notre fichier rare. Voilà, donc ça c'est notre map. On va aller la mettre donc dans nos fichiers du jeu d'Assetto Corsa qui sont juste ici. Donc on va dans Content, Tracks. Et là on prend Battenberg Ring, on prend, on glisse dedans. Bien évidemment, moi ça me demande de remplacer parce qu'il est déjà dedans. Vous, ça va pas vous demander de remplacer, ça va le copier directement dedans. Alors maintenant qu'on a incorporé donc notre map dans nos fichiers du jeu d'Assetto Corsa, on reprend la map, donc Battenberg Ring, on l'ouvre, on fait data. Et là ici on va devoir y mettre les fichiers du trafic. Donc Battenberg Ring, donc moi je l'ai déjà ouvert ici, Battenberg Ring trafic. On prend notre surface.ini et notre trafic JSON, on les prend et on les glisse ici dans data. Ça va vous demander de remplacer, vous faites OK, vous les remplacez, c'est important, ça va nous incorporer donc le trafic dans la map. Donc maintenant les gars, qu'on a incorporé donc notre circuit et notre trafic donc dans les deux fichiers du jeu donc d'Assetto Corsa, on nous Content Manager, on choisit donc notre circuit, voilà, Battenberg Ring. Ensuite on choisit donc notre voiture, tout simplement, donc bien en solo, comme on voit en haut, pas en ligne, puisque j'ai encore pas trouvé de lien directement pour aller faire ça sur serveur. Si vous en trouvez, n'hésitez pas à venir me le voir et à me le donner en commentaire. Ça peut être intéressant d'aller jouer dessus sur un serveur. Et puis du coup, il nous suffit donc de partir en solo. Donc on met bien en essai. Après, vous partez de là où vous voulez. Le pit, la starting line, la outlap, bref, ça c'est vous qui voyez. Mais on met bien en journée essai. Après, il nous suffit donc de lancer notre game en allant sur Go. Vous allez donc dans l'object inspector. Vous ouvrez donc le traffic tools et vous mettez le trafic que vous voulez. Là, tout à l'heure, pour la vidéo, j'ai dû mettre 30-40 voitures sur le Traffic Tools. Ça permet de pas mal bombarder avec un peu de voitures et un petit peu de difficulté sans que ça soit trop abusé. Bref, maintenant c'est à vous de voir. Voilà les gars, petit tuto tranquille, pas compliqué, pas cher puisque tout est gratuit. Vous allez pouvoir aller vous amuser un petit peu. Bref, à vous de voir. N'hésitez pas à me donner en commentaire donc ce que vous en pensez de cette petite map. Ok, il n'y a pas de serveur, mais bon, on peut s'amuser en solo avec le Traffic Tools comme on a l'habitude. Et ça fait toujours un peu plaisir. Bref les amis, si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas, c'est le bon moment. Le petit like si tu as aimé la vidéo, si tu as envie de me soutenir, le petit abonnement. Et en attendant moi les amis, je vous fais des bisous, à très bientôt. Ciao ciao.